assassinée. Enzala, ma fille, a été assassinée. Les marques de strangulation sont claires. Il s'agit d'un homicide volontaire. Mais pourquoi? Pourquoi on a voulu faire du mal à notre fille? Mais pourquoi quelqu'un aurait voulu m'assassiner, ma fille? Que se passe-t-il, ma fille? Vous n'avez pas idée. Maman, Enzala n'a pas seulement été violée. Elle a été aussi assassinée. Non. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Ils ont étranglé Enzala. Quel est le monstre capable de violer et d'étrangler une jeune fille comme elle? Du calme, Tata. L'inspecteur Paca va arrêter les coupables. Est-ce qu'elle s'est défendue? Combien de temps elle est restée là-bas toute seule? J'ai été chargé de mener l'enquête. Nous ferons tout notre possible pour vous apporter des réponses. Vous avez des suspects? Vous soupçonnez quelqu'un? J'en sais rien, je crois pas. En tout cas, Sarah n'a rien dit sur ce sujet. Mais alors, qu'est-ce que ta copine nous a appris de plus? Elle a dit que Enzala avait été étranglée. C'est eux. Qui ça? Ceux qui ont violé Enzala, ils l'ont tué aussi. Oui, parce que c'est pas le fait d'une seule personne. Qu'est-ce que tu racontes, Pedro? C'est la seule explication. Quelque chose a mal tourné et ils ont décidé de l'éliminer. Et qu'est-ce que t'en sais? T'étais là-bas pour le voir? J'y étais pas, mais c'est évident. Ah bon, parce que t'es détective, toi, maintenant? Le raisonnement est simple. Quelqu'un a violé Enzala, elle l'a vu, alors il a décidé de la tuer. Si les enquêtes de police étaient aussi simples, Bianca, il y aurait plus de crimes non résolus. Bon, est-ce qu'on peut savoir ce qui t'arrive ces temps-ci, Carlos? À moi, pourquoi? Depuis qu'Enzala est morte, on peut plus rien te dire. À croire que vous étiez super bon pote. Enzala était la sœur de ma copine, Joël. Cette histoire de meurtre m'a complètement retourné, moi aussi. Je comprends, William, mais Lemba s'est enfermé dans sa chambre depuis la nouvelle. Ouais, je sais qu'on s'est engueulé avec Lemba, mais il faut que je lui parle, Joël, s'il te plaît. Rappelle-la demain. Ciao. Merci, Joël. J'ai pas la tête à parler à William, ni à personne. Tu aurais dû lui répondre, Lemba. Mamie, c'est mon affaire, je m'en occupe. Je ne veux pas me mêler de tes affaires de cœur. Mais dans ces moments-là, toute aide est la bienvenue. Et tu crois que c'est avec ça qu'on va apprendre à survivre à tout ça? Non, c'est vrai. Mais ça soulage. Comment on peut continuer à vivre en sachant qu'une des personnes qui nous est les plus chères sur Terre a été violée puis assassinée? Bon, ça suffit, Roberto, ça suffit. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas t'effondrer comme ça, Roberto. Il faut réagir. Faire quelque chose pour te sortir de ça. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de tout... laisser tomber. Ah bon, mais tu ne peux pas. Prie. Prie le bon Dieu. Pour que la police puisse retrouver les criminels et les punir, Roberto. Dieu ne devrait pas permettre ça. Dieu ne devrait pas permettre ça. Qu'une enfant meure avant ses propres parents. C'est une tragédie. Mais écoute, Roberto, écoute-moi. Il te reste encore une fille et une femme qui ont grand besoin de toi. J'aimerais tellement me réveiller demain et constater que rien n'est arrivé. Que tout ça n'était qu'un horrible cauchemar. Quelle horreur. Ne m'en parle pas. Je suis dans le noir. À cause du meurtre d'Enzala? Non, parce que l'ampoule de ma chambre a grillé. Quant à Enzala, tout est très clair dans ma tête. Pourquoi tu m'as fait venir à cette heure, si c'est pas à cause de... Parce que j'ai un plan qu'on va mettre à exécution dès demain. Margarita, c'est pas le bon moment pour aller de l'avant avec nos combines. C'est le meilleur moment. Nous devons prendre le contrôle de Sainte-Agnès et évincer Roberto pour de bon. Je peux pas m'empêcher de me sentir mal. C'est un moment tellement triste pour lui, le pauvre, je... Écoute, Soraya, tu n'as qu'à te dire qu'on lui rend service. En lui ôtant la direction de Sainte-Agnès, on le laisse se remettre du décès de sa fille.
Maintenant, respire un bon coup. Et aide-moi à changer l'ampoule de ma chambre. Allez, viens. Tu as bien fait de décider de rester. Oui, vous avez raison. J'ai besoin d'argent pour aller à Luanda. Écouter les anciens est une marque d'intelligence. Merci, monsieur l'ancien Zacharias. Fais-nous confiance, Jamila. Si tu parviens à conquérir ta clientèle, tu vendras bien tes fruits. Je travaillais dans un bar. Je ne suis pas timide. J'aime le contact avec les gens. On va voir dans ce cas si tu reviens avec tes seaux vides. J'espère. Je suis sûr que Jamila va tout vendre. À plus tard. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard. Ciao. Cette petite est courageuse. Esse teu feitiço de olhar mestiço me enfeitiça cada vez mais. Esse meu desejo, desejo um beijo, loucura e pura continua. Esse teu feitiço de olhar mestiço me enfeitiça cada vez mais. Tu as vendu tous tes fruits? Oui, j'ai commencé à chanter. Ça a plu aux clients, ils ont tout acheté. Ta technique est bonne. Quand j'ai commencé à vendre des fruits à ton âge, ça ne marchait pas si bien. Oui, mais vous savez que je dois gagner de l'argent pour aller à Luanda. Voilà ce qui te revient. Mais pour ce qui est d'aller à Luanda, ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes fâchée contre moi? Où est-ce que tu as vu qu'une vendeuse aussi douée que toi voulait partir subitement? Vous savez bien que je dois retrouver mon cousin. Je sais, mais avant, nous allons te chercher d'autres seaux à vendre sur le marché, parce qu'avec cet argent, tu arriveras à peine au prochain village. Oui, mon amour. On est en train de s'occuper des funérailles de Nzola. Je n'en reviens toujours pas. Seul un animal peut prendre la vie d'une jeune fille de cette manière. Tu crois que tu seras là à temps? Oui, je me prépare et je prends la route au plus vite. Oh, mon amour, j'ai tellement besoin de toi ici. J'en profiterai pour ramener Joël et toi à la maison. Oh, Ivo, ne t'entête pas à vouloir éloigner notre fils d'ici. Excusez-moi. Encore la même histoire, maman? C'est maintenant plus que jamais que Joël doit rester, Ivo. Cette famille est détruite. Ça leur fera du bien d'avoir le soutien de Joël. Laisse-moi parler à papa. Je rentrerai pas à Lubango maintenant. Oui, oui, oui. Tu m'appelles pour me dire quand tu arrives. Oui, d'accord, chérie. À plus tard. Papa ne veut rien savoir, hein. Merci de votre visite. Personne n'arrive à croire ce qui lui est arrivé, Lemba. Comment est-ce qu'une chose pareille a pu arriver à ta petite sœur? Si vous saviez combien de fois nous nous sommes posé la même question, Soraya. Ouais, ouais. Bon, je suis venue vous présenter mes condoléances et parce que je dois parler à ton père. Il est par là. Oui, sûrement à la cuisine. Très bien. Merci beaucoup de t'inquiéter, Soraya. Mais il n'y a rien que tu puisses faire pour moi pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je voulais que vous sachiez que je suis là pour tout ce dont vous avez besoin, vous savez. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Malheureusement, oui. Et malgré cette tragédie, le monde ne s'arrête pas de tourner. Nous devons résoudre certains problèmes concernant le collège. Soraya, je n'ai pas la tête à parler de ce qui se passe au collège maintenant. C'est très urgent, monsieur le directeur. Il faut s'occuper du planning des professeurs, de payer les fournisseurs.
Je n'ai pas voulu laisser Madame Margarita s'en occuper sans vous consulter avant. Si vous n'aviez pas émis des soupçons sur le comportement de Margarita par le passé, je n'aurais pas hésité, mais... Soraya, ne me parle pas de ça pour l'instant, d'accord? Je n'ai pas la tête à ça, Monsieur Roberto, si ces documents ne sont pas signés dans les temps, c'est le bon fonctionnement du collège qui risque d'en souffrir. Bon, je ne veux pas déranger, mais tant que vous ne reviendrez pas à Sainte Agnès, je vais devoir assister bien d'autres fois. Bon sang, ma fille est morte étranglée. Je suis certain qu'il y a une solution à tous ces petits problèmes dont tu me parles. La solution serait de donner une procuration à Madame Margarita pour qu'elle puisse s'occuper de tout en votre absence. Une procuration? Monsieur le directeur, après tout, c'est la directrice adjointe du collège et nous n'avons jamais pu confirmer aucun de vos soupçons à son égard. Donne-moi un papier et un crayon et je te fais cette procuration. Eh bien, tenez, vous pouvez prendre ça n'importe où, au milieu. Je repasserai tout à l'heure chercher ma voiture, alors dépêchez-vous. Pas de souci, Madame Margarita. Et au fait, quand est-ce que le directeur Roberto revient? Je demande simplement parce que je l'apprécie beaucoup. Comme tout le monde. Sainte Agnès sans Roberto, c'est un bateau à la dérive, c'est terrible. Vous avez raison, professeur. Mais puisque nous l'aimons tant, nous devons l'aider. C'est vrai. À plus tard, Celso. À tout à l'heure, madame. Hé, Nuno, va falloir s'occuper de la voiture de cette prof. Hein? Je sais pas ce qu'elle fait avec, mais... Débrouille-toi, débrouille-toi, passe-y un coup, allez. D'accord. Et au fait, elle t'a donné des nouvelles du professeur Roberto? Ah, elle sait pas grand-chose, elle sait juste qu'il va pas bien, il est pas revenu. À mon avis, c'est mauvais signe. Ça, ouais. Ouais, c'est pas bon signe. Lave-lui bien les pneus ou tu vas l'entendre. Mais oui. Tu bâcles encore le travail, regarde là. Repasse dessus, là, faut enlever la boue. Salut, ça va? Vous voulez des chemises? J'en ai de toutes les couleurs. Allez, allez, va ailleurs si tu veux pas de problème, t'entends? On n'est pas là pour acheter des vieilleries, c'est un endroit où on lave les voitures. Hé, mon frère, c'est des chemises à la mode. Ah, tu attends, fais voir. Tiens, regarde, regarde. Ah, Celso, viens voir ça. Il y a de beaux trucs, regarde. Ouais. Puisque je te le dis, viens. Oh. Achetez-en une, s'il vous plaît. Mon mari est très malade. Il a vraiment besoin de médicaments. Eh ben, t'as de la chance. J'ai justement besoin de m'acheter quelques fringues pour ce week-end. Tu veux draguer, hein? Je dirais pas non. Ça tombe bien, achète-la-moi. Eh, hey, Nuno, je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais, ça claque. Ouais. Oh, super. Et avec ça, je vais tout casser. Elle t'irait bien? Ah, tout me va bien. Dis-moi un truc. Là-bas, c'est le collège Sainte Agnès. Et pourquoi tu veux savoir ça? Pour rien, je suis pas d'ici, mais j'aime savoir par où je passe. C'est pour apprendre à connaître la ville. Mmh. Ma pauvre, encore si c'est pour vendre tes chemises, ça va. Mais si c'est pour envoyer ton fils étudier ici, tu peux vendre un conteneur entier de ces chemises, t'auras pas assez. Hé, hey, Nuno, regarde la marque de celle-là. Kibécha, c'est d'où ça? C'est une grande marque, tu connais pas? C'est vrai? Ouais. À Namib, y a ça. Tu me crois pas? Ah, t'es de Luanda et tu connais pas? Je la prends. Et regarde celle-là. William? Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oh, quelle maladroite. Non, 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 vous inquiétez pas, madame. Ça va sécher avec cette chaleur. C'est vrai. Il fait une chaleur d'enfer. Et ça tombe bien. Et comment tu te sens dans tout ça? L'Emba doit être anéanti, non? Ah, oui, c'est difficile, madame. J'ai déjà vécu pas mal de choses, mais la mort, vraiment, je m'y fais pas. C'est une chose que je ne peux pas t'enseigner. Par contre, je peux t'aider avec tout ce dont tu as besoin. Mon portugais, il aurait bien besoin d'un petit coup de main. Ma matière te donne des maux de tête. Oh, c'est un peu un casse-tête cette année. Si tu veux, je peux t'expliquer après les cours. Eh ben, je savais pas que vous faisiez des heures supplémentaires après les cours. Seulement dans des cas exceptionnels. Mais il faudra être discret et se retrouver chez moi. Je suis sûre que tes notes s'amélioreront. William! Réfléchis à ma proposition. Oui, bien sûr.
Ah, madame, votre bouteille. Je n'ai pas soif. Il faut absolument qu'on discute de l'assassinat de Nzola. Et Greg? Il est en train de nous attendre. On y va. Nzola a été étranglée. Je pensais qu'elle était morte parce que personne ne l'avait secourue après qu'ils l'ont violée. Ouais. Mais apparemment, quelqu'un est revenu pour terminer le travail. Mais qui ça? Mais j'en sais rien. On est sortis en même temps de l'entrepôt. Luca, Valent et Vladimir aussi. Bon, et Nzola était toujours en vie, non? Oui, mais on s'est séparés en chemin et on est arrivés chacun à notre tour chez moi. William, pourquoi t'es arrivé en retard à la fête chez Carlos? Pour autant que je sache, toi aussi t'es arrivé en retard. Et si tu insinues que j'ai quelque chose à voir avec ça, fais gaffe à ce que tu dis. Eh, ça suffit, vous deux pour cent. Je voulais juste savoir si William avait vu quelqu'un. L'un d'eux a dû y retourner. Si j'avais vu quelque chose, je vous l'aurais déjà dit. C'est bon. J'ai juste demandé, j'ai accusé personne, ok? Ah, si les mecs ont décidé de tuer Nzola, c'est leur problème. L'important maintenant, c'est que la police ne découvre pas qu'on était là-bas. Et pour que ça n'arrive pas, à partir de maintenant, cette histoire avec Nzola devient tabou. On n'en parle plus, plus jamais, ok? Ok. Il faut se concentrer sur les proches. C'est là que se trouve la solution du cas Nzola Cabral. Vous pensez que la victime connaissait les criminels? C'est très courant dans le cas de viol, ouais. Et vous pensez qu'elle pourrait avoir reconnu ces bandits? Et qu'il l'aurait tué? Pour qu'elle se taise? C'est une hypothèse à ne pas écarter. Nous ne pouvons pas échouer. Nous devons coincer ces bandits. Chef. Chef. À quoi vous pensez? Je pense à ma fille. J'étais en train de me dire que ça aurait très bien pu lui arriver. Il faut que justice soit faite dans cette affaire. Je le dois à tous les parents qui ont peur que leur fille soit les prochaines victimes. Vous avez raison. Retrouver les coupables est très important, aussi pour que la famille puisse faire son deuil. C'est évident, il n'y a que comme ça que Roberto et sa famille seront en paix. Nous avons donc la permission de parler aux élèves. Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Très bien. Toute information, même la plus insignifiante, peut nous être utile. Sainte Agnès est à votre disposition. Nous ferons tout pour vous aider à arrêter les criminels, soyez-en sûrs. Si vous voulez bien. Ok. T'as vu ça? Attendez. Regarde-moi ces idiots. J'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'ils jouent à la même chose. Tout le monde n'a pas hâte de devenir adulte comme toi, Greg. La ferme. Madame Margarita. Nzola avait beaucoup d'amis. C'était une jeune fille discrète, mais elle avait un groupe d'amis vraiment très proche. Très bien. Nous allons donc commencer par eux. Oui, bien sûr. Hé, attends-toi. Doucement. Police. C'est la voiture de mon père. Alors pourquoi tu t'en vas? Donne-moi l'autoradio. Tu veux l'autoradio? Donne-moi l'autoradio. Aïe! Il t'a blessé! Rattrape-le! Hé, hey, c'est le père de Sarah. Ah ouais? Ouais. Il doit être là à cause de la mort de Nzola. Et maintenant? C'est lui le père de Sarah? Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais je vous aiderai sans problème. Il faut qu'on reste calme, les mecs. Vous croyez que les flics ont déjà découvert quelque chose sur la mort d'Nzola? J'ai pas l'intention de rester ici pour le découvrir. S'ils me cherchent, je suis malade. Hé, hey, mais reviens, reviens! Où est-ce qu'il va? J'en sais rien, mais on le suit. Allez, viens. Greg, Carlos. Madame Margarita, on allait vous juste sortir. Vous n'allez nulle part. La police veut s'entretenir avec vous au sujet du meurtre de Nzola. William? Où
Où est-ce que tu vas à cette heure? Je me sens vraiment pas bien, madame. D'accord. Va prendre un peu l'air, mais reviens sans tarder, on ne va pas t'attendre pour commencer les cours. Non, madame, il faut que je rentre chez moi. Mais William, la journée vient à peine de commencer, tu vas rater tous les cours. Je récupérerai les cours plus tard, mais là, il faut vraiment que je parte pour prendre quelque chose et me coucher. Excusez-moi. Ce sera rapide, Elena. Nous avons juste besoin de quelques minutes au début de ton cours pour nous adresser aux élèves. Ça ne me pose pas de problème à partir du moment où c'est pour aider l'enquête sur la mort d'Enzola. Par qui souhaitez-vous commencer? Par Carlos Nambe. D'accord, suivez-moi. Allons-y. Enzola et moi, on n'était pas très proches. Et qu'est-ce que tu pensais d'elle? Elle était... C'était une fille bien. Enzola était très calme, le genre de personne qui s'excuse presque d'exister. Vous faisiez partie du même groupe? Plus ou moins. Elle venait à nos fêtes avec sa sœur, mais qu'elle soit là ou pas, c'était la même chose. Elle passait tout son temps dans ses bouquins. Elle ne s'intéressait ni aux fringues, ni aux chaussures. Sincèrement, je n'avais rien contre elle, mais elle était vraiment sans intérêt. Et comment Enzola se comportait? Normalement, l'Enzola d'habitude. Et tu te souviens de la dernière fois que tu l'as vue? Oui, c'était en cours. Le soir, il y avait une fête chez Bianca. Mais elle n'est pas venue. Au début, certains pensaient que la disparition de Enzola était due à un petit ami. Elle avait un petit ami? Si c'était le cas, c'était secret. Des secrets, tout le monde en a, non? Sais-tu si quelqu'un voulait du mal à Enzola? Tu as des doutes sur quelqu'un? Non, aucune idée. Très bien. Tu peux y aller. Ah, s'il te plaît. Appelle ton camarade. William Costa. William est rentré chez lui. Pourquoi? Je sais pas. Je crois qu'il se sentait pas bien. Ok, c'est pas grave. On lui parlera plus tard. Ton plan a marché, Margarita. Oui, comme d'habitude. Je ne me surprends même plus. À partir d'aujourd'hui, tu as carte blanche pour t'occuper de toutes les affaires du collège, en l'absence de Roberto. Donc, ad vitam aeternam. Tu penses que la mort d'Enzola va l'éloigner définitivement de Saint-Agnès? Et si ça ne l'éloigne pas définitivement, nous ferons le reste. Mm-hmm. Avec le deuil de sa fille, les soupçons qu'il avait contre moi vont s'apaiser, sans aucun doute. Oui, il n'avait vraiment pas l'air d'avoir la tête à penser à ce genre de choses. Les caisses de Saint-Agnès vont finalement s'ouvrir à nous. Oh, merci. Merci, Margarita Esteban. Et Soraya Nambe. Papa n'est pas encore prêt. Qu'est-ce que t'as, tonton? Il faut aller s'occuper du corps d'Enzola. Attention! Oh. Tonton, ça va? Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Papa! Tonton! Papa, réveille-toi, papa! Et voilà, Tata. Depuis qu'Enzola est morte, papa est sans arrêt comme ça. Il est sous en permanence. Je vais appeler Ivo. Je vais lui dire de venir de toute urgence. Il va aider ton père, tu vas voir. Entre hommes, ils arrivent toujours à se comprendre. Papa! Tonton! Papa! Tonton! Réveille-toi! Tonton! Ivo, mon amour. Tonton. Écoute, j'ai besoin de toi ici, de toute urgence. Tonton, réveille-toi. Papa! Tonton! Réveille-toi, quoi? Tonton. Nina est malade. Tu peux pas venir à Luanda. Non. Le docteur vient juste de partir. Mais elle va mieux. Il faut qu'elle prenne des antibiotiques et qu'elle reste au lit une semaine au moins. Bon, d'accord. J'avais besoin de toi ici pour faire quelque chose, mais prends bien soin de la petite chérie. Laura, je sais que ça tombe mal, mais avec ce qui arrive à Nina... J'ai besoin que tu me rendes un service. Oui. Tu peux commander des carburateurs pour moi. Le gars ne répond jamais au téléphone. C'est tout près de chez Roberto. Comme ça, je ramènerai tout d'un coup. Ok, c'est noté. Bisous, je t'aime. Salut. Mais que se passe-t-il? C'est papa. Il s'est endormi. Endormi? Il est rond comme une barrique. Il empeste l'alcool à plein nez. On était pourtant d'accord. Il devait m'emmener m'occuper du corps d'Enzola. Tu dois absolument y aller. Papa! Réveille-toi, papa, laisse, réveille-toi! Laisse, j'irai toute seule.
Je m'occupe de tonton. Je vais lui faire prendre une douche. Je vais t'aider, Joël. Ma reine, je vous accompagne. Écoutez, tout est déjà prêt pour recevoir la famille qui arrive de Sumbe. Vous n'avez à vous inquiéter de rien. Merci pour tout, Tata. Allons-y, ma reine. Tonton, allez. Debout. Debout, papa. Allô? Allô, c'est moi. Ivo, ça va? J'espère que tu ne m'appelles pas encore pour me parler de déménagement, hein? J'allais venir régler ça, mais Nina est tombée malade. Je ne peux pas aller à Luanda cette semaine. Ah, non. Tu peux pas me faire ça. Ça veut dire que je vais tout déménager. Oui, fais-le avant qu'Edilson loue l'appartement à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup trop de choses, Ivo. Si on n'a pas cet appartement, on en trouvera un autre. Patience. Non, ne m'attends pas. Occupe-t'en. Ah, Ivo, du calme, là. Oh! Je suis calme. Ça va, pas la peine de me crier dessus. Je suis calme. Avant, tu allais à Muxima à pied dans la journée. Mais reste calme. Hey, tu veux me compliquer la vie ou quoi? J'ai fait ce que tu m'avais demandé. J'ai parlé à Gerson, j'ai trouvé un autre endroit. Maintenant, c'est à toi de tenir parole. Déménage et trouve un travail par là-bas. On est d'accord? Nahir, tu as une semaine. Une semaine pour partir, tu m'entends? C'est bon, j'ai compris. Alors, comment ça s'est passé avec les flics au collège? Détends-toi. Il s'est rien passé. Bon, tant mieux, mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Rien. Rien? Bon sang, c'est le mot du jour ou quoi? Écoute, d'après ce que j'ai vu pour l'instant, ils n'ont aucune piste. Mais le père de Sarah a dit qu'il avait besoin de te parler. T'en fais pas, j'ai dit que t'étais malade. Mais malgré tout, il a dit qu'il voulait t'interroger. Je sais comment me sortir de l'impasse. J'avais bon espoir. Mais les dépositions de Sainte Agnès n'ont servi à rien. Et pas la moindre petite piste. Centrale, centrale, pour l'inspecteur Wipaka. Inspecteur Wipaka, oui, j'écoute. Un jeune William est ici au commissariat au sujet de Enzo Lacabral. C'est pas le gamin qui était malade? Mais on ne peut pas rentrer pour le moment. Comment est-ce qu'on va faire? Demandez à quelqu'un de le recevoir. Moi, j'ai pas vraiment le temps, là. J'ai une réunion avec l'inspecteur Kalangé. Je viendrai vous voir après. Bien sûr. S'il n'y avait pas cette réunion, en ce moment, on serait déjà là-bas. J'aime pas trop confier les interrogatoires à quelqu'un d'autre. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on retrouve l'assassin de Enzo. Chère sœur, mis en terre. Et reprendre ma vie normalement quand tout ça sera terminé. Mama we, mama we, mama we. Depuis une semaine, toujours rien. Je pensais qu'on allait enterrer Nzola avec le coupable derrière les barreaux. Toute la famille est déjà repartie et toujours rien. La police fait sûrement de son mieux. L'inspecteur Paca en fait, a dit... c'est surtout qu'ils n'ont pas la moindre piste, Joël. Tu es prêt à retourner au collège? Oui. Ça va faire tout drôle de retourner à Sainte Agnès. Ce sera dur. Mais il est temps de reprendre une routine quotidienne. Ça aide à panser les blessures. Tu as raison. Et toi, ma chérie, tu es en état de retourner à l'école? Oui, grand-mère. Moi aussi, je vais retourner à Sainte Agnès. Ça me fait plaisir d'entendre ça, chérie. Grand-mère a raison, maman. C'est difficile, mais il faut l'accepter et tâcher de reprendre le cours de nos vies. Maman, tu sors? Oui, mon grand, avec les funérailles de Nzola, j'avais oublié un service que ton père m'a demandé. Il faut que je lui commande des carburateurs chez un fournisseur. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Donne-moi ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Lâche ça. Lâche ça et respecte ta mère. Papa, arrête. S'il te plaît. C'est quoi votre problème à la fin? Roberto, ou tu lâches cette bouteille, ou je vais m'énerver. Il faut que ça cesse, Roberto. Ça suffit. Ouais. Tu ne vas pas te détruire devant ta fille et ton épouse. Mais est-ce que ça dérange quelqu'un? C'est fini, l'alcool. Il n'y a plus une goutte de liqueur dans cette maison. Tu devrais prendre une douche et aller au collège, comme le fait ta fille. Je ne peux pas, maman, je ne peux pas. Mon fils, tu as une famille qui t'aime et qui a grand besoin de toi, un travail que tu adores. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tôt ou tard, tu vas devoir reprendre ta vie. Et moi, la mienne, auprès du député Walter. Ça va nous faire du bien de penser à autre chose. Moi, je préfère penser à rien. Roberto. Je ne veux plus penser. Je ferais mieux de sortir. Je vais aller à l'église prier pour voir si la colère me passe. Je t'accompagne, Maria. Laisse-moi juste prendre mon portefeuille. Écoute, Maria, je pars à pied, d'accord? Oui. Prends soin de toi. Allez, viens, Joël. Oui. Allons-y. Reste calme, maman. Hein? Bonne journée, ma chérie. J'ai oublié ma trousse. Je peux te prêter un crayon? Non, non, on est en avance. Je reviens. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, maman? Mon grand, je sais que tu as eu beaucoup de problèmes au collège. Je sais aussi que tu es un jeune homme très intelligent. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Joël, dans la vie, rien n'est facile. Et parfois, plus que d'être fort, chérie, il faut être tolérant. Je veux bien être patient. Mais je vais pas être la risée de toute l'école. L'orgueil ne mène à rien en dehors de la solitude, chérie. Ouvre-toi davantage aux autres, fais-toi des amis. Je ne fais que ça depuis que je suis arrivée à Sainte-Agnès, maman. Essaie encore. C'est pour ton bien, mon chéri. Plus j'aurai d'arguments à donner à ton père, et mieux ce sera, Joël. Sinon, il va vouloir te ramener à Lubango, tu le Après sais bien. Après tout ce que j'ai vécu ici, non, pas question. Alors fais des efforts. Écoute-moi. Contourner les obstacles, Joël, vaut parfois bien mieux que d'essayer de les franchir. Allez, j'y vais, d'accord. Il faut que je m'occupe de la commande de ton père, chérie. C'est loin. Tu veux de l'aide parce non, que je peux non, t'aider non. C'est juste au bout de la rue. Voilà. T'es toujours à t'inquiéter pour je moi. Je vous ai pas trop fait attendre? Non. Bonne journée, les enfants. Et à ce soir. Bisous, bisous. À ce soir. Hé, hey, je t'adore, tu sais. Ah bon sang, et qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, madame, nous ne travaillons plus avec ce genre de pièces depuis le mois dernier. Mais mon mari va être furieux. Il m'a chargé de passer il y a plus d'une semaine et j'avais complètement oublié. Oui, mais malheureusement, je ne peux pas vous aider. Et vous ne connaissez pas un autre endroit où je pourrais trouver ça? Non. Vraiment? Non. Je sais où est-ce qu'on pourrait me renseigner. Bien, merci, hein. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Ne t'inquiète pas, Lemba. Je ne te laisserai pas seule une seule seconde. C'est difficile, Joël. C'est difficile d'imaginer Sainte-Agnès sans ma sœur. Elle adorait vraiment le collège. J'y crois pas. Le roi des idiots est revenu. Je pensais vraiment qu'il retournerait à Lubango après une telle tragédie. Bien lui aurait pris de tomber dans le cercueil de sa cousine. Et maintenant? Je t'ai dit que j'allais chasser ce fantôme de nos vies ou pas? Oui. Et quand est-ce qu'on va lui porter le coup de grâce? Aujourd'hui. Ce morveux commence à me fatiguer. C'est vrai. Beaucoup de gens pensaient que tu reviendrais pas à Sainte-Agnès. Les gens pensent de trop. Après qu'il te soit arrivé autant de choses, et en plus avec la mort de Nzola... Ça me donne la force de rester. Comment abandonner la famille qui m'a accueilli dans un moment pareil? Tout le monde ne serait pas revenu, tu sais. Il s'est passé tellement de choses. Tout n'est pas si noir. Par exemple, on est devenus amis d'une drôle de manière.
C'est vrai. Je m'étais jamais fait de potes aux toilettes. Et encore moins en caleçon. Ça, c'était un peu bizarre. Ce qui est bizarre, c'est surtout la marionnette de moi qu'ils ont accrochée à la récré. Et encore une fois, t'étais là. On a bien rigolé. Malgré tout ça, j'essaie de ne rien oublier. Tu sais, tu es un véritable ami, Pedro. À Sainte-Agnès, il y a aussi des gens cool. Avec le temps, tu trouveras des amis. Et qui sait, peut-être une copine. Tu peux parler, toi. Parce que toi, t'en as une? Non. Non, pas encore. T'as quelqu'un en vue? Ah, Vanessa. Rien n'est sûr, mais un jour, je l'amènerai à l'hôtel, tu vas voir. Avec mon plan, on va faire d'une pierre deux coups. Toi et ta folie des grandeurs, Bianca. Finis le séjour de Joël à Sainte-Agnès, ainsi que l'amitié entre ces deux-là. Alors, Vanessa, est-ce que tu as bien compris ce que tu devais faire? Pour comprendre, j'ai compris. Mais je ne sais pas si je peux vous aider. Vanessa, je suis ton amie. La meilleure de toutes. Bon, et que font les amies? Elles se coiffent? Non, Vanessa. Elles se font confiance et elles s'entraident. Alors, si je t'aide, tu ne peux pas me faire des tresses? C'est pas vrai. Si tu m'aides, je te ferai des tresses. Ah, ok, d'accord. Dans ce cas, je vais t'aider. Parfait. On se retrouve à midi alors et on s'occupe de tout. Bonjour. 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 Excusez-moi, c'est pour un renseignement. C'est bien ici que vit Nahir, non? J'aurais souhaité parler à son mari. C'était bien là qu'elle habitait, Nahir. Ouais. Elle est partie, elle n'habite plus ici. Vous savez où ils sont partis? Je ne sais pas. D'accord. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Demain, je vais à Luanda. Nina va mieux. Je peux voyager tranquille. T'inquiète pas, Ivo. Je m'occuperai de tout, ici. Oui, je sais. Ici, il n'y a jamais de problème. C'est pour ça que je vais ramener Laura et Joël. Je te parlais du garage. Je t'ai déjà dit, Ivo, j'approuve pas du tout l'idée de retirer Joël. Hé, hey, doucement, là. Je sais très bien ce qu'il y a de mieux à faire pour mes deux familles. Et c'est quoi, alors? Elles doivent être séparées. Une à Lubango, l'autre à Luanda. Comme ça a toujours été. Oui. Bonjour. Vous allez devoir attendre. J'ai deux autres clientes avant vous. Excusez-moi, je voulais parler à Nahir. Tout le monde vient chercher ici cette traîtresse. Elle n'est pas là, ni aujourd'hui, ni un autre jour. Vous voulez une manucure? Allez voir ailleurs. Je ne viens pas pour mes ongles et je sais qu'elle a déménagé. Mais j'aimerais savoir où elle est partie. Ah, vous croyez qu'elle m'a donné des explications? Elle est arrivée, m'a dit qu'elle déménageait et voilà. Oh, j'avais vraiment besoin de parler à son mari à propos de carburateur. Mon mari m'a parlé de lui, il m'a dit qu'il vendait des pièces automobiles. Automobile? Ah, oh, Ivo. Ivo? Oui. Ivo est soudeur. Il n'est quasiment jamais ici à Luanda. Il sillonne tout le pays pour son travail. Il ne passe que de temps en temps. Vous dites que le mari de Nahir s'appelle Ivo? Oui. Attendez un instant. C'est de cet Ivo-là que nous parlons. C'est lui-même. C'est Ivo, le mari de Nahir.